D'ailleurs, oh, je suis stressé de ouf. Oh, je suis comme un. On l'a réussi. Oh. Lâche-moi un critique. Lâche-moi un critique, Bouddha. Lâche-moi un critique. Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour un test du Migate no Gokui qui a eu son éveil d'Okan. Aujourd'hui, on sort la vidéo archi rapidement. C'est juste fou, j'ai trop hâte de le tester, je l'ai pas encore testé. On va le tester ensemble, on va faire une review très rapide de la carte. Juste 10-20 secondes pour vous montrer les changements. Alors voilà la carte de base, donc le Migate, signe de l'ultra instinct, donc il était pas maîtrisé. Et là, on a son Dokkan qui est sorti aujourd'hui. Donc, à la place de 120% de boost et qui est plus 2, on a qui plus 3, PV, attaque et défense, plus 150% pour la catégorie divine. Ou qui plus 3, attaque et défense et HP pour 50% pour le type hit. C'est un lead qui est très équilibré. Moi, j'aime bien ce genre de lead. C'est le même que Gogeta 4 au niveau des stats. Il y a tout à 150%. C'est très bien, c'est correct. Alors l'aspect augmente l'attaque, donc comme l'ancien, c'est-à-dire que le premier Migate avant son éveil d'Okan, il augmentait l'attaque de 20% à l'infini à chaque fois qu'il part en aspect. Donc là je pense que c'est la même, dégâts immenses, passif, attaque et défense plus 100%, avant c'était du 70%, là on passe à 100%, et 6 PV à 50% au moins, il s'éveille. Donc Migate no Kensei, Goku Ultra Instinct maîtrisé, comme vous voulez, vous l'appelez, mais en tout cas il est là le beau gosse. Il est là, le lead il reste pareil. Pareil au niveau de l'aspect aussi. Mais par contre, au niveau du passif, c'est qui plus 3 et attaque plus 150% au début du tour. Grande chance d'esquiver les coups, donc ça doit être du 70%. Gardez le lead désactivé. Donc, si vous tapez contre du super end avec ce Goku là, vous n'allez pas avoir la flèche vers le bas. Donc, c'est pas très efficace. C'est un peu comme dans Pokémon. Là, vous allez quand même faire des gros dégâts et ça, ça fait grave plaisir. Et qui plus 3 pour chaque sphère de ki rainbow. Collecter. Donc ici on a plus de boost de défense, par contre on a de l'esquive. Donc c'est tout ou rien, vous voyez, soit on esquive, soit on se prend Bagdad tout simplement. Et ça c'est kiffant, c'est un peu comme dans l'anime quand elle est sortie, voilà. Soit tu esquives, soit tu te prends les coups, hein. Y a pas 20 000 choses. Donc on va aller tester tout de suite sur le boss rush, on va pas perdre de temps. Alors la team, elle se compose de quoi? Bien sûr le Migate, donc à 100%, avec le petit Migate Kensei derrière. Qui est beau gosse, hein, elle est bien beau gosse la carte. Donc 16 654 points d'attaque, 10 890 en défense et 15 335 en HP. C'est pas un LR, c'est des stats qui sont énormes. 58 de coups d'équipe comme les leaders Kateg. Après on a un Vegeto Blue, donc le reste, leur arbre il est pas monté ou presque pas à part lui. Donc Spedis, on a le Godku Pui. Excellent, excellent ce Godku Pui. Il a eu son Dokkan et on... on est très content, donc je vais essayer de voir pour le test à 100% celui-là aussi. Excellente unité, donc 3 liens en commun avec le Goku au niveau de l'attaque. Donc First Battle, Dimension des Dieux et Premier Éveillé. Donc 25% de boost, 15% et 15%, ça fait du 55%. C'est juste un truc de malade les gars. On a le Whis aussi pour le petit support et le Kami. Donc on a un ami leader qui l'a... voilà. Il s'est pas cassé la tête, on veut voler juste le boost, donc on va le garder. J'ai pris un Saibaman dans l'équipe, donc il y a un seul vide. Pourquoi? Parce que faut qu'on passe sous la barre des 50%. Là on va tester le boss rush 3, donc le 2 en super 3. Et pourquoi celui-ci? Parce que tout simplement ils ont pas de barrière, donc on aura les vrais dégâts. Et j'ai envie de passer sous la barre des 50%, vu que la cheat tank assez bien. Il nous faut un petit Saibaman pour prendre des coups. Du coup, on va prendre quoi comme item? Allez, on va prendre un petit item de boost d'attaque, du genre la Bulma, pourquoi pas, du genre la petite Bulma, et puis Roenma, on s'en fiche aussi, on va prendre un présentateur Inc. Et puis voilà, bah let's go tout simplement, let's go, n'hésitez pas à bombarder les likes les frérots, et merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui donnent de la force. Vous êtes les meilleurs. On est bientôt à 5000 sur la chaîne, c'est n'importe quoi. J'aurais jamais pensé arriver à là. Franchement, très honnêtement, pour beaucoup, c'est pas grand chose. 4300 abonnés, mais moi, c'est un truc de maths. Quand j'ai commencé à là-bas, je pensais jamais arriver jusqu'ici. Donc, un grand merci à tous, vous faites grave plaisir. Et le premier tour, on a déjà la rotation qu'il faut. Avec
le Goku puis et le Goku Ultra Instinct. Donc on va pas perdre de temps, on va partir en spé avec celui-ci et avec le Goku Ultra Instinct. J'espère qu'il va nous mettre un petit critique là. En tout cas, moi je suis grave excité par ces unités. Hein. C'est vraiment l'épisode de DPS. Je l'ai vu ce matin, les gars. Je suis comme un fou là. Et je suis pressé de voir l'éveil de Khan de Jiren aussi. Donc il monte à 734 000. Ah, mais attendez. Attendez, c'est l'ami leader ça. Il fait du 1 million 1. Mais je pense que c'était l'ami leader. C'était l'ami leader, malheureusement. Malheureusement, c'était l'ami leader. Du coup, on va faire quoi? On va mettre le Cyberman en premier pour qu'il se prenne les coups. On va pas trop chercher à comprendre. Et là, on va partir en spé avec le Goku. Donc, on aura les vrais dégâts. Voilà, Cyberman, il prend Bagdad. Bon, bah. Là, on peut déjà se transformer. Ah, d'accord. On se prend une spé en plus. Donc voilà. Niveau dégâts, on est servi. Moi qui voulais des dégâts, on en a. Je monte à 1 4 million. Donc là j'ai Dimension des deux activé, Fierce Battle et le support. Non, j'ai pas Fierce Battle, pardon. L'aspect magnifique, 1 4 million. Putain, c'est cette unité, les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 les gars. Oh, il va mettre du sale, il va mettre du sale. On va le booster, on va le boost, je suis obligé de le boost là les gars. Oh là 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 là, la petite esquive. Oh là là, la deuxième esquive. Ah, c'est l'ami leader, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est l'ami leader. Oh là 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 là. Même l'ami. Oh, l'ami leader, il est SP1, les gars, il est SP1. L'ami leader, il est SP1, les gars. Bon, là, on a Végéto, hop. La petite spé. Ah, par contre là on va. En fait j'ai mal joué mon coup parce que s'il spé sur le Cyberman. Ça va, il a pas spé sur ça. Ah, si. D'accord, très bien. Il a spé sur Cyberman. La petite transfo qui fait plaisir. Oh là 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 là. Là c'est le mien. Là on aura les réels dégâts donc. Là on aura les réels dégâts. Il y a l'item qui est encore actif, le de Bulma. 604 000 de valeur d'attaque. Oh là 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 là, 2 millions. Allez, lâche-moi un crit, fais-moi plaisir. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Oh là 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 là. Ah, du 2 millions sans critique. Oh, c'est monstrueux. Monstrueux. Alors, on va baisser le son. Et, hop. Là par contre on va être obligé de mettre un Senzu parce qu'on s'est pris tellement cher juste avant. Bon, ça on s'en fout un peu, allez hop. Bon, par contre ce qui est un peu relou c'est qu'il y a les deux supports dans le même tour. On va mettre le Kami en rotation, hop. On va partir là. Oh là là, j'ai tellement hâte de mettre un crit les gars, c'est fou. J'ai tellement hâte de mettre un crit. Et de partir en Dokkan mode aussi avec hein, parce que... Il doit faire tellement du sale sur le Dokkan mode, les gars, c'est incroyable. De spé, d'accord. Très bien. Faut pas le chercher, Végéto Blue non plus. Alors, le Végéto Blue, rien de monté. Hein. Spé 10, mais. 856 000, les gars. Arbre même pas monté. Hein. Vraiment 0%. Je l'ai pas monté son arbre. Je l'ai pas monté du tout, les gars. C'est assez incroyable. Le petit Kami. Ok, on a pris des dégâts, mais pas trop. Donc là, on revient à la forme normale. Donc là, il a son boost de défense. D'ailleurs, on va avoir 87 000 de défense. Hein. Beau gosse, franchement. 87 000 de défense. Bon, après, il a 100%.
1,7 million de valeur d'attaque, les gars. Est-ce qu'il va nous lâcher le petit critique ou pas? Est-ce qu'il nous lâche le petit critique? Oh là là, magnifique. Oh là là, 4,6 millions. Ah, j'aime trop cette carte, j'aime trop. C'est n'importe quoi. En fait, il y a juste à voir l'ami leader, les gars, pour voir que cette carte est tellement pétée. L'ami leader, il est SP1. Il a juste l'arbre gratuit de monter. Et regardez à combien il monte. C'est juste fou de monter à 600 000 avec une carte SP1. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai même fait du 1,6 million avec vous. Vous rendez compte, j'ai 1,6 million avec une unité SP1. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. On va passer à la phase d'après. Ça serait bien de perdre quelques PV là. Il est où le Cyberman? Faut que le Cyberman il me fasse perdre quelques PV là. Faut que j'ai envie de me transformer là, les gars. J'ai envie de me transformer. Ouais, un petit SP. Je pense pas que je vais prendre grand chose. Ouais, du 53. Du 53. 2,9 millions de valeur d'attaque, c'est sa première. Oh là 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 là. Tellement bel l'aspect, je m'en lasserai jamais. Oh là 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 là. Je l'avais dit, les gars, je l'avais dit que ça allait être le Dokkan de ce Goku là. C'était sûr qu'il allait avoir un Dokkan parce que c'est un Dokkan Festival tout simplement. Les gens ils étaient là, c'est pas Dokkan Festival. Ah non, les gars, Dokkan Festival, c'est Dokkan Festival. Il n'y a pas à chercher plus loin. Par contre, là j'aurais dû. Ah, j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'aurais dû mettre le comment il s'appelle? Ouais, parce que je me prends au cadavre. J'aurais dû mettre le Cyberman avant. Oh là. Il a tapé une esquive avec 5% là où je rêve. Allez, SP là, Freezer, s'il te plaît, SP. Non, il a pas SP. Il a pas SP. Oh bon, d'accord. Lui, tranquille, attaque supplémentaire, SP. Oh non, ouf, heureusement, il l'a pas tué. Oh là là là, oh ça c'est la rotation, les gars. Oh là 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 là. On va être en Dokkan mode. Attendez, faut faire le maximum de dégâts là. Dokkan mode. On a un petit 30% de boost. Allez, c'est gratuit, c'est cadeau. C'est moi qui offre, les gars. C'est moi qui offre. Putain, dommage que. Dommage qu'il soit pas éveillé. Franchement, c'est ultra dommage qu'il soit pas éveillé en. En Goku Blanco, comme disent les Espagnols. Attendez, hop. Oh, j'ai raté le dernier. J'ai raté le dernier. Donc on a une valeur d'attaque de 2,8 millions. Oh là 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 là. Lâche-moi un critique, s'il te plaît. C'est le moment de lâcher un critique. Petite esquive. Lâche-moi un critique, frérot. Oh là. Oh. Pouah. Il a fait du 16 millions. Du 16 millions, il avait même pas encore sa forme. Il était même pas en ultra instinct maîtrisé. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là 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 là. Oh, cette carte, les gars. Oh, c'est. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû partir en SP, je l'aurais fini. Mais ça m'a déboussolé, les gars. Du 16 millions. Un Dokkan mode. Du 16 millions. C'est juste incroyable, 16 millions. Ah, je suis dégoûté de. Ouh, attaque supplémentaire. D'ailleurs, le Kami qui fait du 422 000. C'est pas mal, hein. C'est pas mal pour un support. Oh là 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 là, les gars. Oh, cette carte. On avait vu que le Goku SSJ3 en Dokkan mode, en critique, il pouvait partir à 16 millions. Mais là, je crois que ce Goku, il dépasse, en fait. Ce Goku le dépasse. Je crois que c'est la carte qui tape le plus fort du jeu. Vous me corrigerez en commentaire si c'est faux, hein, mais je crois que c'est la carte qui tape le plus fort du jeu. Très honnêtement. Oh, quand là, ça forme éveillé, bien sûr. Je le rappelle. On garde tout le temps les deux à côté, bien sûr. Punaise, les gars, cette carte. Oh, ceux qui ont un doublon dessus, les gars, vous allez vous faire plaisir. Hein. Moi, je l'ai déjà la carte simple sur la globale. Déjà, je suis content de l'avoir eu là quand je vois ça. Si vous avez un doublon, vous allez vous faire plaisir, hein, franchement. Oh, c'est un monstre.
C'est monstrueux. C'est un monstre. C'est un truc de fou. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Oh là 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 là. 16 millions, vous rendez. En fait, là, j'ai qu'une. Comment dire. Je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais pu l'éveiller juste avant. Et je l'aurais éveillé. Il aurait fait du 20 millions, clairement. Genre, vraiment. J'aurais eu un boost de 30% en plus. Oh là là, ça aurait été fou. Faut pas oublier qu'il augmente son attaque de 20% chaque spell aussi. Le Camille, il est on fire là, il se passe quoi? Le Camille, il veut voler la vedette au Goku là, c'est. Il a dit non. Moi je laisse pas le Goku avoir la vedette. Oh là là, je suis sous le choc là, je vous dis la vérité. J'en ai fait des tests, mais cette unité là me. Rien que l'aspect est magnifique, l'animation est magnifique, la carte en elle-même, l'artwork il est magnifique, les musiques sont incroyables. Que dire de plus? Où est mon Cyberman depuis tout à l'heure là? Je me suis pris zéro coup, j'ai l'impression. Bon là, on va activer le mode maîtrisé du coup. Ça va être nice. Donc au prochain tour on aura le mode maîtrisé avec tous les boosts qu'il faut. Mais le combo God Coupui et Goku Ultra Instinct, les gars, il est juste magique. Hein. Franchement, il est juste magique. Hein. Il est juste magique. C'est incroyable le nombre de liens qu'ils ont en commun. Que ce soit d'attaque ou de kill. Oh là 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 là. Ah, on n'est pas passé sous la barre. J'aimerais passer une fois sous la barre quand même. Lâche-moi un petit critique. C'est incroyable les gars. 2003 de valeur d'attaque. C'est juste fou. Hein. Et il n'y a pas que de l'attaque. Hein. Il esquive. Les gars, je suis amoureux de la carte. Là, c'est pas possible. Goku, marie-toi avec moi. Les gars, clairement là, clairement, on peut pas passer à côté d'une carte comme ça. C'est juste un truc de fou. Je savais pas qu'elle me. C'est peut-être parce que j'ai regardé DBS ce matin. Je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. Mais je suis comme un fou. Franchement, je suis comme un dingue là. Je suis vraiment comme un dingue. Je suis comme un gosse. Je suis comme un gosse qui a eu son nouveau jouet à Noël et qui. Il me déçoit pas ce Goku. Ce Goku, on l'a attendu longtemps. Mais le Dokkan ne me déçoit pas du tout. Et d'ailleurs, le Dokkan des God Coupu aussi ne me déçoit pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est ouf les gars. En fait, l'idéal, ça serait de partir en Dokkan mode avec le Migaten Okensei, là. Ça serait, pour la fin de vidéo, mon but, ça serait ça. Ça serait de partir en Dokkan mode avec. Bon, après, c'est pas sûr qu'il crit. Oh, je suis comme un fou, les gars. Je sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis comme au début de Dokkan, c'est fou. Au début de Dokkan, Gogeta est sorti un an après, mais quand Gogeta est sorti, quand on l'a testé, ça me fait vraiment le même effet. Genre, les premières sensations quand j'ai joué à Dokkan, ça fait exactement la même chose. C'est ouf. C'est ouf. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé l'épisode de DBS ce matin. Peut-être, hein, c'est possible, mais l'effet il est là. Franchement, l'effet il est là. Et on n'a pas encore eu le Dokkan de Jiren. Bon, Jiren perso, c'est pas un perso que je kiffais au début. Mais quand même, il a su gagner sa place in my heart. Ils vont dire, ah mais Booster, j'ai un accent dégueulasse. C'est bon les gars, on rigole. Calmez-vous. J'ai fait exprès de faire un accent dégueu. En fait, j'ai un accent dégueu, mais il est moins dégueu que ça. On va partir ici, hop.
Alors, est-ce qu'on va pouvoir partir en speed? On peut toujours pas se transformer, ça c'est embêtant. Ça c'est plutôt embêtant. J'aimerais bien aimer me transformer un coup, quoi. Très bien. Bon, il nous balance suspect sur le mauvais perso. 91 000 de dégâts. On monte à 1 million. Tac, 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 tac. Magnifique l'aspect, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, l'autre. Vous voulez que je vous dise quoi? Franchement, vous voulez que je vous dise quoi de plus? Je vous dis quoi de plus? Ce perso est incroyable. Ce perso est... Je crois que c'est ce qu'on va retenir de la vidéo, c'est ce perso est incroyable. Si quelqu'un peut me dire combien de fois j'ai dit le mot incroyable dans cette vidéo. Regardez-moi cette prestance, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est... C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible de faire autant de kiffer après autant de temps, c'est... Pour moi, Dokkan, c'était... C'est bon, c'était parti, là, c'est... Franchement, ça fait carrément... Après, je pense que c'est la hype et tout, mais c'est quand même ouf, hein. Je pense que pendant une semaine, deux semaines, je vais être comme en fou, hein, sur ce perso. Vraiment. Oh, lolo. L'aspect qui allait nous tuer, la dodge. L'aspect qui allait nous tuer. Ciao. Ah, je la lèche, on peut pas, c'est impossible de passer cette animation. C'est un sacrilège, les gars. Sacrilège de passer cette animation, les gars. Dokkan mode. On va avoir notre Dokkan mode, les gars. On va voir combien d'étapes on prie pour qu'il y ait un critique qui tombe. Oh là là là. On va essayer de pas le rater, d'ailleurs. Oh, je suis stressé de ouf. Oh, je suis comme un... On l'a réussi. Oh. Lâche-moi un critique. Lâche-moi un critique, Bouddha. Lâche-moi un critique. Oh. Oh. Sans item, sans rien. Il a fait du 12 millions en critique. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je me suis trompé. Il tape un peu moins que le Goku. C'est vrai, j'ai oublié tout à l'heure, j'avais les items d'actifs. Mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Il esquive, il fait tout. Cette carte, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est fou. C'est génial. Franchement, je pensais pas que Dokkan il pouvait me procurer autant de sensations après autant de temps. Parce que quand on joue une carte qu'on kiffe, il y a l'émotion, elle est là quand même. C'est assez fou. Donc voilà pour cette petite vidéo, les frérots. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Ça fait grave plaisir parce que je me suis quand même pressé pour vous sortir la vidéo, pour vous la montrer maintenant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. À me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Goku là. C'est juste incroyable. Moi j'arrive pas à m'en remettre là. Après je vais taper les dents sur mon lit, les gars. Ça va être juste fou. Voilà, comme d'hab, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis voilà, c'est tout. On kiffe. Ciao, ciao. A plus, les frérots.